Yoga, il y a un bienfait pour la santé, mais il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas l'importance de ne pas pratiquer, mais il y a un effet bien bon pour la santé. Donc, parce que je ne prends plus beaucoup de médicaments, mais fait, si nous faisons yoga, il aide nous beaucoup. L'exercice physique, comme d'habitude, normal, c'est premier, mais yoga, avec ce breathing, ce bonne technique et tout, c'est vraiment efficace, super bon. Vous faites yoga? Capable de dire oui, mais pas ça à niveau là, mais élémentaire, mais tout de même, breathing, même respiration, même stretching. Et ça, c'est aider. Je vous conseille tout du monde, si possible, si capable, pas beaucoup, 15-20 minutes pour commencer avec les temps, et vous gardez en bonne santé. Madame Issier, bienvenue dans cette émission-là. Depuis l'année 2014, l'ONU fin décrète le 21 juin comme journée mondiale yoga. Une journée pour sensibiliser les gens à travers le monde l'urban bienfait yoga dans nos émissions aujourd'hui. Nous pouvons donc cause l'eau-là. Journée internationale de yoga est célébrée à travers le monde à partir de 2015. C'est une résolution qui est passée en 2014, une motion que le Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi, a menée, et qui a un support de 174 pays en faveur du décret Journée internationale de yoga le 21 juin de chaque année. Et dans Maurice, depuis que ça a été décrété, nous célébrons régulièrement. À travers Maurice, nous avons beaucoup de centres yoga, côté une bonne centre social. Et dans les women centers, et dans les community centers, et côté ban yoga instructeur, c'est à faire ban yoga sen, ban posture yoga, et en même temps enseigne des moun ban technique de pranayama. Et ensuite, il y a beaucoup ban ONG aussi qui fait promouvoir yoga à travers Maurice. Et yoga, il prend une ampleur, surtout après qu'il des moun réalisé qu'il amène bienfait, il amène wellness dans notre vie. Vous m'avez fait un petit peu yoga, oui, mais vous trouvez mon sentiment correct. Vous conseillez du monde, vous faites yoga, une bonbon quelque chose, oui, oui. Qui vous fait, c'est-à-dire? Moi, je fais un peu mes affaires ventes, un peu comme ma respiration, pour mon sentiment, comment dire, bien. Yoga, c'est un mot sanskrit et sa définition, c'est de faire joindre, ça veut dire to join. Yoga, il amène harmonie, balance, également dans nos consciences, dans nos minds, et d'aider une façon pour self-realize, nous réaliser nous-mêmes. Et yoga, il travaille sur différents plans, qu'il est le plan physique, mental, émotionnel, psychique et spirituel. Et quand nous faisons yoga, il y amène un plus dans notre santé, c'est-à-dire il fait nous devenir plus positifs. Et l'énergie positive créée à travers nos corps entiers. Et ça, l'énergie positive là, les transmet dans toutes nos cellules du corps. Et finalement, tous nos organes se détoxifient en même temps, les gardent nous en bonne santé. Une autre définition yoga, c'est yoga chit vritti nirodha, c'est-à-dire yoga chit veut dire nos mind. Et vritti veut dire fluctuation, oscillation qui arrive dans nos minds, différentes pensées qui viennent dans nos minds, dans nos esprits, et qui manière nous capables d'amener une restriction, un blocage, pas blocage, mais une façon de empêcher les negative thoughts, overcome nos minds. C'est ça une des définitions de yoga. Yoga, c'est une discipline bien complète. Quand nous causons yoga, la première affaire qui vient dans la tête, c'est quand nous pouvons faire différentes postures. Mais laisse-moi expliquer que yoga, ce n'est pas posture. Yoga, il y a 8 éléments. Le premier, c'est yam, niyam, c'est-à-dire le social discipline, l'internal discipline. Le troisième, c'est ce qu'on appelle posture, c'est ce qu'on appelle asan. Ça, c'est une troisième position. Après, nous avons pranayama, technique de qui manière nous contrôle nos respirations. Ensuite, nous avons pratyahara, un système qui nous self-realise et nous fait une fixation.
Ensuite, nous avons dharana, amène stabilité, dhyana, méditation. Et l'un des derniers, c'est samadhi. C'est-à-dire, le yoga veut dire qu'il manière nos énergies personnelles. Il commence à travailler depuis nos cinq sens, nos corps, nos mind et nos âmes. Surtout à la fin, vinzuen dans nos âmes et notre récit communique avec l'énergie suprême qui est née dans l'univers. À ce dire, quand nous causons yoga, nous avons toujours cette tendance-là qui nous pense posture. Mais pour arriver à la posture, qui manière nous capables d'avoir le contrôle et de maîtriser dans nos postures, nous visons premièrement un système de vie. La cosa yoga préconise une social discipline et ensuite une internal discipline. Quelle définition de posture dans le yoga? Les yaou sthira sukham asanam, c'est-à-dire n'importe qui posture, quand tu sens que tu es stable et tu gagnes un sens de wellness, un sens de plaisir, un sens de bienfaisance. Et ça, c'est le une posture. Ça veut dire le sthira, c'est-à-dire stabilité, les vins dans côté ou body physique. Ça veut dire où les corps, les besoins sont stables. Les besoins bouger, les besoins vibrer, les besoins stables. Et sukham veut dire une expérience qui nous encounter à travers nos minds, nos brains, quand nous sentons nous gagnons une positive vibration et nous sentons nous dans happiness. Alors, n'importe quelle posture qu'on peut faire, les business amènent une happiness dans les corps. Ça, c'est le premier aspect de ma posture. Yoga a plusieurs bienfaits au niveau physique, mental et spirituel. Laisse-nous guetter qui s'abanne bienfaits là. Un type de posture qui nous est là, il est classé en trois catégories. Une, une posture méditative, c'est-à-dire qui facilite la méditation, qui garde la concentration, et il y a un calme, un la paix dans nos esprits. Ensuite, qui aide nous, l'écho, performe ces trois derniers stages de yoga qu'on appelle dharana, dhyana, samadhi. Par exemple, une posture méditative, c'est Padmasana, Vrajasana et Sukhasana. Nous avons une autre catégorie de bonnes postures, ce qu'ils nous appellent corrective ou cultural. Là-dedans, ils reconditionnent le corps et ils aident dans la prévention et guérison de la maladie. Également, ils aident à corriger certains défauts posturaux. Et par exemple, nous avons un Shirsasana, c'est-à-dire qu'on nous fait le pied banane, comme on nous dit à l'île Maurice. Et nous avons un Halasana. Ensuite, nous avons une autre posture qui nous appelle relaxing, c'est-à-dire c'est quand nous aidons pour éliminer la fatigue physique et mentale. Et nous travaillons surtout dans nos subconsciences, nous aidons le corps à sentir léger et relax, et en même temps, nous réénergisons la chaîne de nous le corps. Et par exemple, nous avons Yoga Nidra et Shavasana. Et une autre classification de ma posture, c'est normalement quand nous faisons Yoga Asana, il y a six postures, qui est six positions qui nous besoin prendre. Premièrement, c'est une position qui nous debout, comme Tarasana, Palm Tree, Sitting, Assisé, comme nous avons Swastik Asana. Nous avons Prone, Lying, ça veut dire nous dormir au ventre, comme Makarasana, Crocodile, Supine Lying, comme Shavasana, c'est course position, Topsy Turvy, en bas là-haut, Headstand, Shirsasana et Balancing, Marjasana, comment dire, balancer comme un pan. L'effet ban asana, les multiples, les amène l'énergie dans nos corps entiers, l'énergie physique et interne également. Les aide pour régulariser le système endocrine, les aide à détoxifier toutes les cellules, les organes, toutes les tissus qui nous aident. Les aide pour accélérer nos recovery quand nous sommes malades et en même temps, les garde nous en bonne santé. Une autre affaire, quand nous faisons un asana, nous n'avons pas besoin de mal. Nous n'avons pas besoin de gagner de douleur, nous n'avons plus beaucoup du tout. Et nous guettons également qu'un asana, quand nos enfants font, ça aide pour augmenter c'est-à-dire notre mémoire et nous devons plus réceptifs et plus calmes dans la classe. Les problèmes qui nous gagnent, les behavioral problems, de turbulence dans l'école, les diminuent. Et en même temps, les aide pour régulariser le mood swing de l'adolescent. Et également, l'aide parfois un excès de colère qui nous gagne, qui amène beaucoup de social evils dans la société, l'aide à contourner ce excès d'émotions, de négativité qui nous gagne en nous-mêmes à travers une pensée, à travers une action qui nous fait. On nous recommande aux enfants de faire yoga à partir de 8 ans, mais il y a une certaine posture quand les enfants un petit peu bas de 8 ans sont capables de faire sous guidance, mais
dans mon texte yoga, je reconnais que mes enfants commencent à faire yoga à partir de 8 ans parce que ça, à l'époque là, l'âge pour rentrer à l'école dans l'année de 8 ans. C'est un jour faire yoga, c'est bon. Sur la condition physique même, sur l'école, c'est bon, sur la santé. Bon, c'est tout, quand on vient faire yoga, c'est tout, là, la vie qu'on arrive, tout à manger, un peu, riz, un peu, bien de la santé, un peu, qu'on fait un régime, qu'on garde de la santé, fait un peu yoga, tout ça, c'est bon. On fait respiration, oui, après, mon verser, mon fer, et après, mon fer, tout le monde, les reins, tout ça, là. On sent tout le monde bien. Yoga, comme on dit, l'aide pour improve la mémoire de mes enfants, l'aide pour prévenir mes injuries de sport. En même temps, l'aide de corriger ce que nous appelons mes spasmes qui nous gagnent dans mes muscles. Mon stretching sur yoga, l'aide pour speed up, l'augmente nos healing process. Et en même temps, l'aide pour augmente circulation et improve circulation. Et en même temps, ce qu'il fait, qui ban pression, ban stress, qui nous manœuvre ending pour gagner, les diminuer. Et en même temps, les improve fitness. Les gens qui pratiquent yoga, ils n'ont plus endurance, qui mental et physique, quand ils font ban sport de haut niveau. Et en même temps, dans ban sport, qui demande beaucoup physique et mental. Et il y a une autre affaire qui est bien importante. Actuellement, nous servons beaucoup laptop, nous servons beaucoup computer, et nous désirons les fatiguer. Et là-dedans, il y a une technique dans le yoga qui s'appelle Tratak, quand nous concentrer l'eau en objet fixe, soit la bougie, la flamme d'une bougie, soit needle. Et quand nous concentrer pendant au moins 3 minutes, nous concentrer, fixer nos gaze, ça objet là, nous fixer complètement. Il y a même un tearing, il aide, je dirais, nous commence, c'est-à-dire l'âme commence à couler dans nos ligiers. Et quand sa lame là, commence à couler dans nos ligiers, ce qu'il fait, il amène un cleansing dans nos eyes, il nettoie nos ligiers. En même temps, il aide pour calmer nos minds. Et ce qu'il trouvait d'après ma recherche, qui augmente la sécrétion de mélatonine, qui est un natural tranquilizer, et comme ça, vous sentez vous relax. Et ça, c'est bien important. Et ça, si moi, je peux conseiller surtout mes étudiants, mes gens qui servent beaucoup, laptop, mes smartphones, je pratique ça au moins 10 minutes tous les jours. Comme ça, je pars pour gagner un problème de vue et je vision pour tout le temps reste intacte. Qui bonne condition pour faire une posture yoga? Normalement, quand nous faisons yoga asana, c'est-à-dire une posture, nous avons besoin d'une place bien ventilée, qui gagne bien l'air, cross ventilation. Premièrement, nous les corps, nous avons besoin de prendre un bain avant de nous faire yoga asana, et nous avons besoin bien stable. Et de préférence, ne pas manger 2 heures de temps avant de nous faire un yoga asana, et en même temps, évacuation de nos intestins, besoin finir faire, et nous besoin finir passer l'urine tout. Nous besoin complètement fit pour faire yoga, et place que nous faisons yoga, les besoins bien stables et nos besoins servir une yoga mat. Tant que possible, quand nous faisons yoga, ne pas mettre un vêtement qui est serré et tant que possible, nous mettons un vêtement qui est assez léger. Nos besoins également, quand nous faisons yoga, ne pas mettre lunettes ni nous servir contact lens ou nous servir une montre en dos parce que ça dérange l'énergie qui est développée dans les corps quand on fait yoga. Yoga, il a beaucoup bien fait, mais besoin de demander conseil à un docteur avant. Yoga 5, quand nous faisons une posture yoga, l'aider pour amener une guérison dans nos différentes maladies. Mais avant de faire ça, au besoin de prendre conseil au médecin traitant. Au besoin d'écouter quelqu'un, commence à pratiquer yoga. Au besoin, premièrement, quelqu'un enseigne le yoga. Et malade qui est là, au besoin de gagner, premièrement, l'aval au médecin qui pour conseiller. Combien de temps vous êtes capable de faire cette posture-là? Premièrement, nous avons comment pour l'obésité, nous avons fait Pavan Muktasan et nous capable de faire, par exemple, Padmasana qui aide pour amener une longévité, amener rejuvenir les corps. Sukhasana, il y a une meditation posture, relax the mind, et il aide pour l'énergie flow dans tous nos chakras. Et nous avons Shavasana qui aide pour. Il corrige high blood pressure et mental disorders. Et Shirsasana, il est bon pour circulation, il empêche les wrinkles et headache. Également, nous avons
Par exemple, Paschimottanasana, qui aide pour anorexie, rhumatoïde arthritis et obésité. Nous avons une série de asanas qui nous ont fait dans une série de malades, mais tout ça, là, nous avons besoin de conseil au médecin traitant avant de faire. Comme nous connaissons dans Maurice, nous avons beaucoup de cas de diabète. Une des asanas qui nous sommes capables de faire dans le diabète, c'est diagnostic asana et également l'aider pour stabiliser. Une douleur qui est diabétique habituellement dans les pieds. Ça aide, mais aussi il y a également une posture qui n'ont pas besoin de faire, qui ont besoin d'avoir quand on a certaines maladies. Par exemple, si on a constipation, on pas faire yoga mudra. Si on a un diabète qui cardiaque, on pas faire padhastasana. Si on a un diabète qui a une douleur à la tête, colitis, high blood pressure, on pas faire shirsasana. Alors il y a une contradiction aussi. On a besoin de connaître qui est malade, qui est asana, qui a besoin de faire. Et ça, c'est un médecin qui est capable de nous le guider pour faire ça. Alimentation, un élément important qu'on pratique yoga. Yoga, ce premier élément, c'est une social discipline. Une social discipline, quand on est venu, premier item de la social discipline, c'est dire la non-violence. Et pour être non-violent, yoga préconise qu'il nous adopte un mode de vie végétarien. Et tant que possible, nous ne prenons aucun produit animal. Comme ça, nous avons une communion avec la nature. Et nous devons prendre un repas qui nous fait à la maison. Nous prenons un repas qui nous permet de digérer facilement. Et en même temps, nous prenons beaucoup de légumes frais, de grains, de sprouts, comment nous dire. Nous prenons l'auge et nous consommons moins de l'huile et moins de sucre. Tout le monde a fait un process qui est nous devons éviter. Comme ça, nous pouvons gagner le bienfait du yoga. La méditation n'est pas séparée de yoga, il y a une partie de yoga. La méditation, nous, dans le yoga, nous appelons ça dhyana, et ça aide pour calmer l'esprit, nos brain. Il efface tout le pensée négative, de frayeur, de stress, de anxiété, de ego. Ça veut dire qu'il y a un self-pride. Il aide pour faire une plus humble, pour gagner une personnalité plus charmante et plus magnétique. Il augmente un positive outlook de vous-même. En même temps, les de nous, façon qu'on cause, les plis posés, on a un speech bien posé, et quand on cause aussi, ou pas pour plus personne, on a une clarity of thoughts, ou bien focus dans le travail, ou pour un behavior qui est pour bien correct, et en même temps, les aider pour garder nous les corps et jeunes et healthy. Pour rester en bonne santé, une alimentation saine et équilibrée est primordiale. Évite un aliment trop gras, trop sucré ou trop salé qui peut augmenter le risque de gagner une maladie non transmissible comme un diabète, tension ou maladie de l'équerre. Mange beaucoup de fruits et de légumes, apporte des vitamines, être riche en fibres, facilite le transit intestinal et aide pour stabiliser le poids. L'urban boisson, faire le bon choix et boire plutôt des eaux qui bannent les autres boissons qui sont trop sucrées. Et pas oublier, faire une activité physique régulièrement pour garder fit. Voilà, une émission finie ici. Nous finissons sur le bienfait yoga au niveau de la santé mentale et physique. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.